Bonjour tout le monde, ici Polska. Donc c'est ma toute première vidéo, tout simplement pour vous présenter ma team. Donc un panda, un Eka, un Yop, un Feka, un Noza, un Nini, un Xel et un Sacri. Donc le panda, je le joue soutien, donc vous pouvez voir ses stuff, tout simplement un stuff de base. Là je viens de capturer le Rasboul, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de cac. Donc j'ai le coiffe juste à Sasa, Botanton Tata, Gelano, PAPM, Capodendo, FM Vita, Tifux plus 50. Nkamsutra plus initiative avec le trophée initiateur pour qu'il commence en premier. Anodendo juste avec sa sagesse quoi. Ceinture des rats pour la vita, la sagesse et l'initiative. Et bot aventurier, je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc voilà. Le Lycaflip avec une Dora, un Gelano PAPM, une cape pic-pic, sandale Alléluia pour la force et sagesse. Ceinture des rats, Anodendo, Nkamsutra. FM Vita et un petit Tifo 55 sagesse avec ce marteau parce qu'il y a deux lignées de dégâts et avec les boosts dommages du Yop c'est très pratique. Mais bon, je vais bientôt changer le Yop stuff identique à celui-là de l'Eka. Le Feka, une Gelocoiffe Jet Intel sagesse, Gelano PAPM, Capfulbu FM Vita sagesse. Donc bot d'apprentissage pour l'intel, la sagesse, la puissance et la vita. Gélotur avec le bonus de la panneau, ce qui donne 30 intel en plus. Anodendo, jet intel et sagesse. Et les flancs des étoiles, 1 PA, 24 sagesse, 20 intelligence et 14 en vitalité. Loza a le même stuff que Lenny, c'est-à-dire une Gélocoiffe, un excellent bâton des rois, un Gélano PAPM, une capote, un petit Fuchs, bot d'apprentissage, Gélotur. Un Odendo et flanc des étoiles. Donc même stuff que Loza, même stuff que le Feka avec un Cristo Ball tout à l'heure, j'ai oublié de le montrer, mais un Cristo Ball à fin feu. Et le Sacré avec une chapeau Tardala, un bâton carnier, un Gelano, FMPM bien sûr, Captofufu, ceinture Alléluia, ceinture Erdala, Anodendo et Amu Erdala. Donc tout ceci pour vous présenter ma team et vous expliquer le but de ma chaîne. Donc c'est pour vous montrer des vidéos d'une team et l'évolution d'une team surtout. Donc j'avais un peu de Kama, donc c'est pour ça que me suis permis les objets van. Je les ai parachutés éléments, pas la sagesse parce que c'était tout simplement trop cher. 7 millions pour parachuter 101, je trouvais ça plutôt inutile. Et je vais vous présenter aussi... une vidéo originale si possible, solota, enfin pas solotage, boss le crâne d'amour géant au niveau 100 tout simplement avec ma team. Possible ou pas me direz-vous, on verra ça plus tard. Donc là je suis niveau 74 à 76 pour le FK et faut que j'obtienne, je vous montrerai le stuff et j'essaierai de vous filmer ma team niveau 100 contre le crâne d'amour. À bientôt et laissez en commentaire les vidéos que vous aimeriez bien avoir, comment se faire des Kama ou XP du Coliseum. Même encore du PVP. Dites-moi, c'est vous qui décidez. Abonnez-vous et à bientôt.